Nous sommes ravis de participer à cette aventure avec les étudiants du groupe IGS, de permettre à 630 étudiants de nous alimenter, de nous challenger avec des façons de penser différentes qui pourra nourrir leur réflexion. Jours pour essayer de faire émerger les meilleures idées et surtout que ces idées deviennent des concepts. Voir 600 étudiants travailler et pitcher sur des problématiques Monoprix, pour nous c'est d'une richesse, ça va nous permettre derrière de travailler sur différentes actions qu'ils ont pu proposer. Il y a deux choses que je retiendrai. La première chose, c'est ce qu'en fait finalement ils ressentent de Monoprix, sur quoi Monoprix doit prendre la parole. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que Monoprix joue un rôle dans la cité récolte des idées. Je trouve ça génial pour le marketing. Une énergie extraordinaire. Vraiment des idées complètement dans l'air du temps qui répondent aux vraies problématiques de Monoprix, des winners qui vont devoir maintenant mettre en scène. C'était sportif. Ce qui était très intéressant, c'est de travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes compétences que nous, donc c'est vraiment un point fort. I didn't know what business games was or what to expect, and as an American, I got to learn more about a French company, Monoprix, so for me it was perfect. L'avantage de ce projet, c'est de pouvoir laisser parler ses idées. On a réussi vraiment à intégrer toutes les compétences, c'était très très intéressant. Et puis le fait est qu'il y ait une poursuite derrière et qu'on puisse suivre le projet, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a été très 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 agréablement surpris quand on a débattu avec le COMEX par la qualité des projets, la qualité des pitchs, la pertinence des sujets sur nos problématiques. Merci à vous tous et à très bientôt dans nos magasins pour voir l'expérimentation de tous ces projets.